C'est ton propre jugement sur ça. Derrière, ça résonne, ça me renvoie culpabilité, ça m'envoie une intransigeance envers tes fautes, une intransigeance envers ce que tu penses de toi. Comme si, en fait, tu as un regard super dur, tu as un regard vraiment acerbe envers toi-même. Et ce système-là, cette histoire que tu te racontes là, elle est sous-tendue par un père absent. Alors, ah oui, donc c'est ton rapport au masculin qui s'est fait la malle. Comme tu as un regard assez acerbe envers toi-même, ça a été créé par une sorte de bulle de protection du masculin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu veux faire pénitence des erreurs passées en créant le meilleur avenir possible pour toi, tes enfants et ta famille. Ce système-là, alors pourquoi? Parce que, alors tu veux faire amende honorable, tu veux racheter tes fautes, trouver une solution pour ce que tu trouves inéluctable. Donc tu te sais, alors derrière, ça me dit en gros, tu te sais foutu, donc foutu pour foutu, tu veux absolument faire le mieux possible. Tu veux absolument jouer le rôle de la mère parfaite. Alors, tu te laisses de côté. Tout ça, c'est sous-tendu par je me laisse de côté, par j'ai peur de me regarder en face, par j'ai besoin qu'on me regarde tel que je suis vraiment. Donc, ces histoires que tu te racontes, ce que tu es en train de jouer comme mélodie à toi et à ton entourage, c'est là pour... Ce sont comme des masques qui sont pour toi un sacrifice nécessaire de ta personne pour pouvoir être sûr que les gens autour de toi en valent la chandelle. Que ce que tu ne fais n'est pas pour rien, que ce que tu dis ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tu essayes de régler ta problématique de petite fille. Tu essayes de régler ta problématique, une problématique qui s'est installée, dont tu as planté la graine. Lorsque tu étais encore enfant, visiblement. Ou. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur cette période-là de toi? Parce qu'apparemment, c'est vraiment prioritaire d'aller voir cet aspect-là de toi. Et c'est avant tout ça que tu veux guérir. Tu veux guérir quelque chose qui s'est passé lorsque tu étais petite fille et qui, en fait, a provoqué l'attitude de mettre des murs entre toi et les autres. Et derrière, ça sous-tend, en fait, ça me renvoie à la séduction. Derrière, t'as peur d'être une mauvaise mère, enfin, t'as l'impression d'être une mauvaise mère parce que la vraie problématique, c'est une problématique de séduction. La séduction étant pour toi ta capacité à être créative, à utiliser toutes tes ressources positives et négatives, masculines et féminines, donc énergie, polarité féminine et masculine pour pouvoir créer quelque chose d'innovant. Donc, tu sembles bloqué dans une sorte de labyrinthe qui a été créé par le fait que tu t'autorises pas à être folle, tu t'autorises pas à réellement être. Alors, ça me dit à faire confiance réellement. Faire confiance à quoi? À des choses que tu ne pourrais pas prévoir et qui proviendraient de toi. Donc en fait, derrière ce... Donc ça, c'est un deuxième angle de vue. Hein. Derrière ce côté, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère, pardon. Tu souhaites avant tout sauvegarder quelque chose de toi, et c'est quoi? T'as peur d'abandonner, ou t'as peur d'être abandonné. Ouais, c'est ça. T'as une forme ouais, t'as une forme de panique à ce concept de l'abandon. Donc, t'as peur de soit que les tiens partent trop loin, ou toi que tu t'enfermes trop. Et donc, t'essayes de trouver un équilibre entre comment est-ce que tu te nies et comment est-ce que tu t'ouvres à toi-même.